Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre zap de l'ITU High Tech du 20 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On donne rendez-vous comme tous les jours à 16h pour votre petit résumé bah, des news tech en provenance de Chine. Et comme à chaque émission, on commencera par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG vidéo et peut-être tous ceux qui vont s'y abonner aujourd'hui. Tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air. Alors là, méga dédicace, bien évidemment. Et surtout, merci à nos mécènes de la veille puisque je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en faisant un super chat directement dans les commentaires ou via Tipeee. Et dans ce cas, vous deviendrez notre mécène, notre producteur du jour. Et hier, on va pas se mentir, vous avez fait péter la banque un petit peu, hein. On remercie Michael, on remercie Nono le chat, André M, Sébastien H, Sébastien P, Kurumi et Kengeno. Les meilleurs pour la fin. Bien évidemment. Voilà. Donc merci à eux pour soutenir l'aventure. Ça permet, bah, pour moi d'avoir un peu de revenus contre cette émission. Ce qui fait toujours plaisir. Allez, on attaque. Bon, on commencerait par la première news, puisque samedi matin, je vous ai mis sur mon autre chaîne. Je rappelle, tu cherches jlg sur YouTube. Tu tomberas sur mes deux chaînes, GLG Review, GLG Vidéo sur lequel es actuellement. Je vous ai fait la review du Xiaomi Mi Band 5. Alors, la vidéo qui a bien marché, puisque ce matin, soit 48 heures après la publication de la vidéo, on est déjà à 10 000 vues quand même. <laughs> C'est quand même pas dégueu. Comme quoi, la vidéo était un petit peu attendue. Et enfin, j'ai quand même pas mal de remarques, plutôt désobligeantes ou assez étonnantes, concernant mon t-shirt Pornhub. Bien évidemment, c'était de l'humour. Et puis bon, après, je ne pas ce que ça peut être d'autre, quoi. C'est pas de la provocation, c'est pas. Après, la plupart, c'est que tous, ils connaissaient le site. Sinon, tu serais pas offusqué. Voilà. Donc, je ne sais pas. vous ne vois pas en quoi que ça. Après, est-ce que c'est parce que le t-shirt, il était blanc et qu'en ce moment, c'est pas. Alors peut-être que j'ai le même en noir. Peut-être que si je mets le même en noir avec marqué Pornhub, peut-être là, on dira rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous voyez peut-être le problème. Je cherche encore. Et enfin, hier si tu l'as loupé, je te rappelle, on était en live. Ça veut dire que on est en première, c'est enregistré le matin ou l'après-midi et diffusé pour vous à 16h et le dimanche on se retrouve à 16h, mais là par contre, on est en live. C'est-à-dire que bah, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, une émission qui est un peu plus longue puisque je mixe des news, des news high-tech, des films et séries télé, le gros dos du jour à savoir est-ce que Gearbest va fermer ou pas et pourquoi ça sent le sapin. Voilà, tout ça c'est évoqué dans le live d'hier et puis j'ai interagi directement avec vous en commentaire Pour aller voir l'émission, on n'a pas trop mal marché. Hein au niveau des vues, je sens que c'est vraiment un, un format qui vous plaît, hein. euh, le dimanche et tout, le fait d'être là un petit peu en live, que vous soyez là en live ou en replay, c'est le format qui vous plaît, et si ça vous plaît, bah, ça me plaît. Bon, la vidéo du jour de ce matin sur GG Review, c'est la brosse à dents Oakland X Pro, je rappelle qu'elle était, était vendue à la base presque sous la marque Xiaomi, mais qui est toujours vendue dans l'environnement Xiaomi, puisque maintenant Xiaomi propose ses brosses à dents marquées « Xiaomi » dessus, qui sont presque des Hocklens rebrandés par une autre marque etc etc la brosse à dents électrique qui est connectée et intelligente connectée avec ton smartphone elle est intelligente avec des accéléromètres des vibrations elle sait quand t'as brossé pas brossé bien brossé pas assez différents modes de blancheur et tout c'est une brosse à dents qui est vraiment dingo que je vous invite vraiment à aller voir la vidéo pour voir moi, je pensais que vraiment c'était une brosse à dents à la con qui vibrait. Et en fait, elle fait vraiment, vraiment beaucoup plus de ça. Et qu'on se rend compte que, là, on pourrait dire, une brosse à dents connectée, je vois pas d'intérêt. et ben, regarde la vidéo et tu vas voir que, quand même, ça a un petit peu de sens. Et en plus, elle est en promo et il y a deux têtes offertes. En plus de celle qui est livrée avec. Bon, si hier, on parlait de la montre connectée, la Cop 7 Prime 2, qui aura l'avantage d'avoir une caméra rotative, euh, enfin, l'avantage. Je ne vois pas vraiment l'avantage. La 4G, le truc. Enfin bon, voilà. Là, par contre, on parlera plutôt d'une montre, la nouvelle, la GTO, qui est déjà un petit peu en précommande, un petit peu partout, qui n'est pas excessivement chère, hein, qui est une montre qui fait 25 balles, euh, une montre connectée classique, IP68, avec un gros écran tactile. Ça, c'est pas mal, de 1,4 pouces. Euh, un bracelet offert, un design de Apple Watch qui ne sera pas pour gâcher votre plaisir. Mais la montre, elle est plutôt intéressante. À savoir si tu cherches juste une petite montre connectée. Pas cher, qui fait tracker d'activité, qui a une petite finition en métal, qui a les modes sport et tout. Bon bah 25 balles avec un petit bracelet offert. Alors moi j'ai pris la version noire avec le bracelet rouge je l'ai pas acheté, bien évidemment, je vais me la faire envoyer gratos en échange d'une review. Mais le modèle noir la bracelet les rouges, c'est celui qui me plaisait bien. Et là, on peut estimer qu'à 25 balles, c'est un bon prix. Alors, il en existe énormément de modèles dans ces prix-là avec cette forme ici. Mais Copset 7 est quand même une marque de monde qui fait des produits assez classiques, enfin, assez classieux, classiques, quali. Donc, on peut attendre de cette marque-là pour 25 balles un bon produit plutôt qu'une marque underground ou une marque qu'on connaît peut-être pas trop. Allez, on continue dans la news puisque Xiaomi va sortir deux écrans incurvés sous deux tailles Différentes, hein. Alors apparemment en cherchant bien et en faisant un petit euh, croisillon des news on se voit qu'en fait c'est simplement un écran HKC qui sera vendu soit sous la marque Xiaomi soit avec le logo HKC soit ils vont virer le logo et ils vont mettre Xiaomi à la place mais c'est vraiment HKC qui va produire un petit peu cet écran alors un écran incurvé qu'on avait déjà testé il y a deux ans en 2018 avec le mien le HKC G32 qui est toujours là d'ailleurs, qui fonctionne plutôt bien. Donc, Xiaomi s'est quand même tourné directement vers la marque pour proposer deux écrans, un de 29 pouces et un de 34 pouces. On va savoir que le mien fait 31,5, donc on est vraiment sur une taille intermédiaire. Ils ont contacté la marque pour leur proposer un écran. Si on doit retenir des choses un petit peu intéressantes de cet écran, c'est que c'est un Xiaomi <laughs> Et que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est dès que... Ah, oh, voilà, oh, mais Apple, tout ce qui est Apple, ils seraient prêts à acheter un balai à chiottes Bon, bah chez Xiaomi, il y a les mêmes. Hein. C'est dès qu'il y a marqué « Xiaomi » dessus... Vous le voulez. Oui, mais parce que c'est moins cher, il y a la qualité et tout. Genre je, euh, on juge pas. <laughs> Alors, deux écrans. Un écran. Alors pour l'instant on parle plutôt celui qui est en précommande, c'est celui qui est de 34 pouces. Avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Une résolution en QHD avec un gros Q bien évidemment, 2560 par 1440. Et c'est vrai que pour, euh, par exemple, pas en 21 neuvième, parce que celui-là, plutôt en 21 neuvième, le, le LG. Pour faire du montage vidéo, du coup, t'as une timeline de fou tu peux le séparer en deux et tout, voilà. C'est moins que le truc Samsung que Marcus Broly l'a fait, mais bon, c'est quand même un bel écran. Euh, 21,99, donc un truc ultra long et tout. 423 euros en précommande, alors je sais pas trop, je peux pas aller voir comparer un petit peu tous les prix du marché. Bon, est-ce que c'est un bon prix parce que c'est un Xiaomi ou est-ce que c'est simplement le même prix qu'un HKC Le problème c'est qu'à mon avis, ça va certainement être le même prix qu'un HKC, si ce n'est qu'il y aura marqué Xiaomi dessus. Et puis tu pas un plus Xiaomi que ça. Tu juste un cassé vendu par Xiaomi ou avec le logo Xiaomi dessus. Voilà. J'ai mis les liens, j'ai mis les fonctions, le détail et tout. Si toi aussi il te faut tout ce qui est brandé Xiaomi, eh ben écoute mon ami brand. Euh, brand. Et voilà, bon goût, 423,05€ en précommande. Ça je pourrais pas en avoir. Même si j'aurais bien aimé. <laughs> Et enfin, on continuera avec le lancement officiel des Lenovo Legio 5 série et des iBeaPad Gaming 3. Alors, c'est simplement, vous prenez la gamme Lenovo Avant, c'est-à-dire les 5i, qui étaient des 5 sous Intel. Bon bah là, c'est des 5 sous AMD. Donc ils auraient presque pu les appeler la série 5A et la gaming 3A au lieu de 3I. Voilà. Bon, les modèles sont les mêmes robot G, le Lenovo 5 et 5P, euh, deux versions 15,6 ou 17,3. Bon après il y a du AMD Ryzen du 4800, donc le top du top. Hein. C'est un peu la tendance en ce moment. Tout le monde essaie un peu de de se de se séparer de Intel, Apple en premier donc oui, comme quoi il y a vraiment une tendance qui est en train de se faire ou même les fabricants pour cibler un petit côté un peu plus gaming mettent du Ryzen dedans. Bon, pour le, si on prend le Lenovo Legion 5, bon, un écran de 144Hz en Full HD avec Dolby Vision, une autonomie de 7,5 heures. Après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, il y a le Lenovo Legion 5P. Voilà, après, on reprend exactement la même chose. Un Ryzen 4800. La carte graphique, c'est de la, la RTX 2060. Putain je suis encore avec une 17 quelque chose Moi là euh, dis donc c'est dur hein, sur un laptop 32Go de RAM et jusqu'à 1 Tera de mémoire quand même hein. Ça commence à faire des, des beaux petits animaux Et il y a également le Lenovo Idead Gaming 3 Qui est la version 3i avec euh, Je te la refais pas mais bon là, il y a, La photo c'est le 3i parce qu'il y a du Intel dedans Tu mets du Ryzen à la place et as exactement la même chose Bon par contre au niveau des prix c'est plutôt pas mal Si on prend le Legio 5 17 pouces Ce sera possible à partir de septembre 2020 à partir de 1000$ donc, ça fait un moins de 1000 euros hors taxe, encore une fois. Le, Lenovo nouveau Légion 5, 15 pouces avec la GeForce 1650 Ti sera, lui, à 750 dollars. C'est pas excessivement cher. Alors, ils sont à peu près au prix qu'on avait vu sur les Honor, hein, avec les Ryzen. Hein. On est dans la même gamme, à part que là, on a quand même peut-être un peu plus de savoir-faire gaming au niveau de la marque Lenovo. Euh, le de 3 à 15 pouces sera accessible à partir de juillet 2020 à partir de 659 dollars. Donc, tu vois, ça fait des trucs à 5, 6, 700 euros qui sont quand même pas mal, avec des bons processeurs, une carte graphique qui permet de faire du jeu. Ça peut, ça peut intéresser des gens. Après, bah, bon, c'est du Lenovo en plastoc. Hein. Même s'ils vont nous vendre que truc, voilà. Pas une durée de vie de dingue. Mais, euh, c'est ces ordinateurs qui sont faits pour le gaming et qui sont plutôt bien optimisés à des prix qui sont très très intéressants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de réduire à 5 news par jour pour pas que ça soit trop long, trop pompeux, trop redondant. On se retrouve demain, euh, même heure, même endroit. Je vous rappelle, à partir de la semaine prochaine, on passe à une vidéo tous les deux jours. Donc j'essaierai de faire un condensé de peut-être 10 minutes, 10 fois une minute, essayer de faire des, des news. Je vais essayer de voir comment je peux faire le format. C'est-à-dire qu'on se retrouvera le le lundi, le mercredi et le vendredi, et tous les dimanches en live, ça permettra pour moi d'étaler un petit peu et de faire euh, voilà, une vidéo tous les deux jours, je vais essayer de voir comment je peux faire le format, si je peux arriver à faire les news en une minute ou pas, je verrai là au montage aujourd'hui où j'essaie aujourd d'aller un peu speed en parlant que de l'essentiel pour voir si la news peut durer une minute, et du coup 10 news 10 minutes, enfin 15 minutes maximum tous les deux jours, c'est ce qui vous attend au moins pour tout le mois d'août. De se mettre un petit peu en mode vacances, puis après on verra en septembre en fonction de votre engouement s'il doit y avoir une quotidienne ou une euh, tous les deux jours, <laughs> tous les deux jours, viennent Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. Merci à tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air. Si financièrement vous pouvez le faire, un petit euh, super chat, c'est toujours bien aussi. Un petit Tipeee pour soutenir l'aventure, c'est une fois par mois et après euh, je vous emmerde plus avec ça. Je vous donne rendez-vous demain, 16h, même heure, même endroit. Forcément, je vous kiffe.